Les amis, bonjour à toutes et à tous. On se retrouve aujourd'hui pour un troisième épisode de Splinter Cell Conviction. Alors, du coup, où c'est qu'on en était resté? Ah oui, c'est vrai. Ben ça, on avait... Ça, on avait vu tout ça. Mais bon, a priori, il n'y a pas moyen de passer. C'est passé, entrer. Sécurité Paladin 9, ici Victor Coste. C'est ça. Alors, attends. Je suis en ville et j'ai besoin d'un coup de main. Si t'as des emmerdes, vaut mieux qu'on se voit. Eh, dis donc, mais c'est quoi tout ce boucan? Je disais bien que tu reconnaîtrais ce son. Ça te rappelle quelque chose? Par la limite, c'est pas bien grave, hein. Hey, Sam, comment va ta petite? Elle va bien. J'ai eu un courrier avec un petit dessin. Sa mère a dû l'aider un petit peu. Sympa. T'as de la chance. Moi, c'est pas mes gosses qui... Ça fait un petit récap de ce qu'on a vu à la fin de l'épisode précédent, quoi. Savoir un peu où on en était resté, d'un côté, c'est pas plus mal. Quand je me cacherai d'ici... Quoi? T'iras à l'école? Hé, hey Sam, y a pas un examen d'entrée à l'école, maintenant? Je sais pas si Victor a le niveau. Tout le monde à terre! Mais non, non, bougez pas! Oh, le carnage, t'es... Oh putain. Sam avait confiance en moi. Surtout après ce qu'on avait vécu ensemble dans le golf. C'est pour ça qu'il m'a appelé quand Échelon 3 lui a fait son petit numéro. Il avait besoin d'aide. Il savait que je l'aurais jamais laissé tomber. Ok, donc de retour, 20 ans plus tôt. Donc on va voir un peu ce qui s'était passé sur cette fameuse route là. Avec une calache. Alors... Sauver le chef des... Des squads, ok. Putain, par contre, la précision de ce machin... What the fuck, hein? Hop. Ok. Personne en vue. Bagdad. Ok. Ok.
quoi à peu près où on est. Je me disais bien, je voyais les panneaux marqués en arabe dessus, alors je me suis dit, tiens, c'est pas aux États-Unis ça. J'ai plus de balles, Putain, j'avais plus de munitions. Du coup, comment on va faire? Parce que... endroit là, je pense. Ouais, je me suis mis au mauvais endroit. C'était mieux où j'étais tout à l'heure, mais problème c'est que j'ai pas beaucoup de munitions.
Oh, attends, il y en a encore un là. Voilà. Oh, il me semblait bien qu'il était pas mort lui. Oh putain. Pourtant c'était pas mal au début, j'avais... أن هذا الأمر مضحك أيها الأحمق؟ من الغباء أن نبقى هنا. ابقوا في مخابئكم. أنت لا تعرف مع من تلعب. لن نذهب إلى هناك. لن تقع في هذا الفخ أيها الوغد. أيها الحقير، حاصروه، اقضوا عليه. هيا هيا، انتبه على أجنحتك. اذهب اذهب. هل انت خائف؟ من الافضل ان تكون كذلك. لا تختبئ مني يا جبان. اين انت؟ لا حقا يا حقير، لماذا لا تأتي لنا؟ هل يعجبك هذا ايها الوقت؟ اعرف اين امك يا حقير. لا تحاول
Ok. Bon, a priori ça a l'air d'être bon, bah dis donc. Il est là-dedans. Ok. Mon ami s'amuser un peu avec toi. Va te faire foutre. J'ai vraiment rien d'autre à faire. Ya Ilahi. Merci, Vic. Allez, viens. Tu me diras merci quand on se sera tiré. Ah. Oh, ouais. La cavalerie arrive quand ? Bonne question. On avait le rôle d'un autre perso, quoi. J'ai besoin d'un taxi pour deux. D'accord. Ici Wofford. Putain, c'est votre jour de chance, les gars. Un hélico décolle dès qu'on vous a localisé. Bien reçu, Wofford. On est à... On dégage ! What the fuck? Ah, ça c'était les collègues, ça. Cette opération, ça allait marquer un tournant pour Sam. Même si on allait mettre des années à s'en rendre compte. Bref, le deal qu'il avait passé avec Grimm impliquait des infos sur les IEM et Black Arrow. Et généralement, quand Sam demandait de l'aide, ça voulait dire que c'était énorme. Restait à fixer le rendez-vous. On a choisi la fête foraine du côté du National Mall. C'est bourré de monde. Facile d'accès, et pas vraiment pratique pour les types qui sont après vous. Et Sam, il a fini par leur mettre la main dessus. Bien sûr.
à peu près 20 minutes. Ouais, bon, on va continuer. J'ai des mecs au cul. Black Arrow essaie de taper l'incruste. Ils savent quand les potes, Vic. Ils te surveillent pour me mettre en danger. Utilisez les zones d'ombre pour éliminer les ennemis. C'est vexant, non? Bref, tu t'occupes discrètement qu'on puisse parler tranquille. Y'a rien qui change. C'est sérieux, Sam. Ils te repèrent. J'annule. C'est trop chaud. Alors, vas-y. Vous prenez des tickets, ils vous servent pas. Tant pis pour vous, s'il vous plaît. Ah d'accord, ok. C'est eux les ennemis, ok, donc ils sont marqués de croix, ok. Très bien. Hey Sam, j'ai des mecs au cul. Black Arrow essaie de taper l'incruste. Ils savent quand les potes, Vic. Ils te surveillent pour me mettre la main dessus. Merde. Moi je crois que c'était ceux à ne pas buter justement. Ouais. Tu t'occupes d'eux discrètement qu'on puisse parler tranquille. Y'a rien qui change. C'est sérieux, Sam. S'ils te repèrent, j'annule. C'est trop chaud. Alors vas-y. Fonce. On se dépêche. C'est le dernier tour de la soirée. Et c'est votre dernière chance de voir toute la ville de voir. C'est juste là-bas. Bah, les zones d'ombre, ils sont bien marrants, eux. Ok, ouais, genre là. Hey, pourquoi tu me suis? Mais non, 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 je ne vous suivais pas. Je le jure. Qu'est-ce que tu sais sur Victor Cost? Je devais juste le surveiller. Je vous cherche au courant de rien. Ok. Donc, aide 1. Alors... Ouais, bah... Bien sûr. Ah oui, bon, ça va. On reprend au... Okay, au point sauvegardé. Donc déjà, c'est déjà pas mal. Je vais faire celui qui est... Pourquoi tu t'intéresses à Cost et à moi, hein? Oh, merde! Je dois les prévenir dès que je vous vois. Les renforts attendent, et c'est vous qu'ils veulent. Eh bien, ils vont attendre encore un peu. Ok, et de deux, donc le troisième...
Lui fait le tour, alors il y avait plutôt une zone d'ombre par là. La foule panique. Il faut partir. On annule tout. Ah oui. Mais devant l'autre là, alors forcément. Alors elle achète plus rien qu'à du goût. Il n'y a plus que des choux, du soja et du tofu. Dur. Ouais, c'est sûr. Ok. On envoie d'autres lascars. Mais faut pas traîner. Est-ce que tu connais la zone du côté du monument? Ouais. De finir la soirée en beauté. Il y a un stand isolé juste en face. On se retrouve sur place. Je te ferai entrer. Un quart d'heure. À gauche, vieux, à gauche. Par ça. On n'a pas beaucoup de temps. Leurs renforts vont arriver. On va voir les basiques et je t'expliquerai le reste au téléphone. Très bien, ça me va. Jette un œil dans le sac, il y a ton arme préférée. Moi, j'ai pas de cadeau pour toi. Laisse tomber, pas le temps pour ça. J'ai aussi emprunté un machin à un copain du DARPA. C'est un générateur IEM. Il est de faible portée et pas très puissant, mais il se trimballe dans un sac. Le sac, là, il est protégé, mais si t'appuies sur le bouton, tu grilles tout le matos électrique qui t'entoure. Cool. T'as autre chose pour moi? Ouais, dans le sac, il y a un dossier. En gros, ça parle d'un laboratoire de recherche, White Box, qui bosse pour la défense sur la technologie IEM. Et il y a 6 mois, ils ont filé la sécurité du laboratoire à tes petits copains mercenaires de Black Arrow. Et ce qui est louche, c'est que Black Arrow ne fait pas tellement dans la sécurité civile. Donc en additionnant 2 plus 2... Il y aurait un lien entre... Bingo! C'est mince, mais t'as buté des mecs pour moins que ça. Allez, vas-y, fonce, Sam. Fais-moi signe quand t'es à bonne distance, et on discutera par téléphone de White Box avant que t'essayes d'entrer. Ça marche. Fais gaffe à toi, Vic. Ah, merde. Parce qu'il faut pas entendre. Ok, what the fuck? Vous avez vu ça?
bon sang, il le est où? Le palais du rire, c'est fini pour toi, Fisher. C'est Fisher. Tu veux te planquer dans les coins comme un rat? Ça marchera pas, fumier. On va rester ici tranquillement. Je change de chargeur. Je vais pas là-dedans. T'as qu'à venir nous chercher. Là-dedans? Pas moyen! T'as qu'à venir ici, toi! Ça, c'est pour les copains à l'aéroport! Putain! Je recharge! Quelqu'un avec le cœur! Merde! Pas de question qu'on foute les pieds là-dedans! Je suis à sec! On te rattrapa cette fois! Putain, bah, Dieu, il y a du monde, oh. On ne s'attrape pas cette fois.
secours. Je pensais que j'étais caché, mais j'ai préféré y faire parce que je me suis dit, eux, s'ils tirent, ils vont... Ok. Toutes ces années où tu m'as menti. C'était pour la bonne cause, Sam. 27 heures plus tôt. Sans hésiter. Faut croire que je te connais pas. Ouais. Faut croire que tu ne me connais pas. Quand Sam m'a appelé. J'allais pas lui dire non. Sam a toujours été du genre solitaire. Là, il avait besoin qu'on lui rappelle qu'un bon copain mouille toujours sa chemise pour vous. Après les réjouissances de la fête foraine, Sam a filé chez Whitebox. Les malfrats qui avaient racheté le labo avaient déjà fini et commençaient à évacuer du matos. Mais Sam s'en foutait. Il voulait entrer, et même si la barrière anti-IEM était pas vraiment perméable, il suffisait d'un seul point d'entrée. Ok, bah écoutez les amis, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Moi j'espère que ça vous a plu. N'oubliez pas, hein, comme d'habitude, les petits likes, les commentaires, les abonnements. Et puis bah, je vous dis à la prochaine pour la suite de l'aventure. Ciao, ciao.